Salut les gars, c'est Lazo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Cold War pour une vidéo nuke. J'étais en groupe de deux, donc c'était sur Rush. J'étais avec Nergi et en vocal, j'étais avec Spring. Donc, si vous entendez quelqu'un parler derrière, c'est Spring. Mais normalement, le son sera très très bas. Vu que je dois parler dans cette vidéo, je dois vous parler. Et c'est pour vous dire que ça sera la dernière vidéo sur Cold War. Non, je rigole, pas sur Cold War, sur la saison 4 de Cold War. Et en gros, c'est la dernière. Vu que demain, sur la saison 5. Et saison 5 dit Slums, donc Slums, il y aura des nucléaires, c'est obligé, c'est une map de BO2, les spawns sont incroyables, même si c'est du Cold War, ça sera quand même lourd. Et il y aura sûrement ouais, y aura du contenu aussi plus tard dans le mois ou dans le mois d'après sur Driven et Zo, deux maps de Black Ops 1 qui vont ressortir. Donc ça fait super plaisir. Donc vous allez avoir beaucoup de contenu Cold War, je pense, cette saison, parce qu'elle a l'air vraiment pas mal, il y a deux nouvelles armes et tout, comme les saisons d'avant quoi. Et je pense que ça va vous plaire, il y aura une petite nouvelle map aussi en 6v6, échelon. Et je vais essayer de taper des nukes dessus et de les mettre en vidéo avec peu importe l'arme LC10 ou AKU ou AK47, FAMAS, bref. C'était tout pour un petit peu Call of, vous dire de la saison 5 ce qui va se passer, j'avais envie d'en parler. Et vous avez dû remarquer, ceux qui me suivent, il y a du Ghost Recon qui est revenu sur la chaîne et ça a vraiment bien marché. C'est du outfit, ça marche super bien je trouve. Et c'est vraiment les vidéos que je préfère faire avec les vidéos de nucléaire Cold War et tout. Mais vraiment, les vidéos Ghost Recon, c'est un truc que j'adore faire. De devoir créer le personnage sans regarder des vidéos d'ailleurs, parce que j'ai déjà vu qu'il y a des vidéos qui ont été sorties sur des mêmes personnages que moi, que j'ai fait, mais j'ai triché sur aucune vidéo, je regarde pas de vidéos de toute façon, et du coup, tout est fait par moi-même, c'est ça qui est cool. Du coup, je triche pas, même si des fois c'est pas les bons vêtements et tout, c'est toujours un peu ressemblant, ça ressemble, quand on connaît le personnage, on sait que c'est vrai, enfin que c'est ça. Et du coup, vous avez dû remarquer qu'il y en a eu, et il y en aura encore, il y en aura encore beaucoup, parce que j'ai eu des idées. J'adore faire ce genre de vidéos et vous avez vu que ma chaîne YouTube depuis 1 an et demi, 2 ans, eh ben, elle est active en vrai. Depuis Modern Warfare, j'ai vraiment pas arrêté les vidéos. J'ai fait que ça, vraiment je kiffais faire des vidéos sur Modern Warfare en guerre terrestre. Vous avez dû le remarquer pour ceux qui me suivent depuis ce temps, même si on n'est pas beaucoup. J'ai quand même des personnes qui me suivent régulièrement. De toute façon, c'est obligé qu'il y a des personnes qui me suivent parce que j'ai des vues sans... Enfin j'ai des vues, donc peu importe le nombre de vues, moi je m'en fous, je kiffe faire les vidéos. Je l'ai fait, c'est regarder, tant mieux, c'est pas regarder, bah tant pis, mais au moins je continue d'en faire. Et ceux qui me suivent, bah c'est cool, parce qu'il y en a, je pense, qui me suivent juste pour les nucléaires, et vous êtes servis à chaque fois. Et il y en a qui me suivent aussi pour du Ghost Recon, et c'est pareil, vous allez être servis, même si j'avoue que je vous ai un petit peu oublié ces derniers temps, parce que j'en faisais plus trop. Ma dernière vidéo date de 3 ou 4 mois, c'était sur Walking Dead, un top 5 coups de fito Walking Dead, pardon, et là c'était un top 2 sur Frank Woods, et du coup ça a bien marché, et je vais en refaire de toute façon. Et puis voilà, après Ghost Recon, ça sera des top 5 outfits, top 2 outfits et tout, spécial machin et tout. Et des vidéos aussi en discret, des infiltrations de base et tout. Je sais plus le mot exact en anglais, mais j'en avais déjà fait. J'en avais fait une sur Sniper, sur American Sniper, et ça avait bien marché de ouf. J'avais fait plus de 500 vues. Donc ça va être fait, ça aussi. Mais ça prendrait une autre tournure avec un montage beaucoup plus réaliste, genre un truc beaucoup mieux fait. Vu que je me donne à fond maintenant dans les vidéos de Ghost Recon, j'ai envie qu'elles soient travaillées, qu'il y ait une intro, qu'il y ait une fin, qu'il y a tout en fait. Qu'on se fait pas chier quand on regarde la vidéo. C'est le but un peu des vidéos. C'est pour ça que mes vidéos nucléaires aussi, elles sont condensées. C'est quand il n'y a pas de kill. C'est pas parce que je campe ou quoi, c'est juste parce que j'ai envie que ça va vite. J'ai envie que les gens regardent la vidéo et se disent pas, ah mais là il y a 10 secondes où ils courent quoi. Moi j'ai envie vraiment qu'il n'y a pas 10 secondes où je cours. C'est vraiment, il y a 3 secondes où je cours et hop, il y a une coupure, je refais le kill. Je préfère ça que... Après si les gens préfèrent... Que je mets le gameplay en entier par exemple sur Call of, sur imaginons E-Jacket, et que je suis viseur fixe dans un spawn, je préfère que les gens me disent dans les commentaires, ouais moi je préférerais voir le gameplay en entier, voir comment tu te déplaces et tout. Là il n'y a aucun problème, si c'est pour parler de gameplay, déplacement et tout, il n'y a aucun problème. Mais si vous me dites, ouais j'aime bien quand y a du montage et qu'il y a des coupures, ça va vite. Bah, en vrai je vais laisser comme ça, moi j'aime bien comme ça. C'est le style de vidéo que je préfère, ça va vite, ça dure 7, 6 minutes, 6 minutes, 7 minutes, donc en vrai c'est assez rapide. Du coup, ça se regarde en vrai. Ceux qui n'ont pas trop le temps de regarder, ça se regarde facilement. Puis, je suis pas là à faire des vidéos bâclées. Vraiment, ça sort pas tous les jours. Il n'y a pas des vidéos tous les jours. Mais c'est pour ça aussi. C'est parce que j'aime bien les travailler. Même si en commentaire, je suis vraiment pas fort. Je fais de mon mieux. Après, vous devez le savoir aussi, ceux qui me regardent. Le commentaire, ça n'a jamais été un truc que j'ai trop géré. J'ai jamais eu vraiment de. Comment dire? J'ai jamais eu de truc pour parler d'un truc spécifique à chaque fois dans les vidéos. Donc, c'est pour ça que je me perds un peu. Mais je préfère être authentique et dire des trucs comme ça qui... De l'improvisation en fait. Je préfère l'improvisation que de dire lire un truc que j'ai écrit, machin, ça ferait trop monotone, j'arriverais pas.
Et je préfère faire comme ça de toute façon. Et pour en revenir au gameplay, ouais, c'était vraiment une nucléaire assez cool, hein. Vous avez dû la voir là, je sais même pas, je pense que ouais, elle est finie là, la nuque. Et à 5 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal, tu vois. Parler 5 minutes comme ça d'affilée, j'aime bien faire ça. Je le fais pas tout le temps, hein. Mais là, j'avais besoin de vous parler, de vous dire un peu ce qui va arriver. Donc, il y aura du Ghost Recon, du Call of, bah, pas de Modern Warfare et tout, hein, mais du Cold War. Et si le prochain Battlefield sort bientôt, enfin, quand il y aura tous les nouveaux jeux qui vont sortir, il y aura des vidéos sur le nouveau jeu. Faut pas vous inquiéter. Et quelques lives sur Twitch, mais ça va être très rare, très très rare. Je pense qu'il y aura peut-être des vidéos. Enfin, des lives sur la nouvelle saison de Cold War, comme j'ai dit. Il y aura peut-être des lives sur Ghost Recon, mais ça, c'est encore à voir parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop envie de tester. Ghost Recon, j'aime bien être concentré et jouer vraiment moi-même. Donc, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire. Désolé si j'ai un peu bégayé ou j'ai un peu dit de la merde dans la vidéo, mais je pense que je vous ai vraiment tout dit, tout expliqué. Et puis voilà, je pense que ouais, c'est tout, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Lazo, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner et un petit commentaire ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez et tout et puis voilà, je vous vois les mecs qui me suivent, vous inquiétez pas, on est ensemble et à bientôt pour une vidéo Cold War ou Ghost Recon, je sais pas encore. Ciao les mecs.